Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve sur Windboot. Alors c'est quoi Windboot? C'est un survival aventure qui est vraiment très sympa. Alors ça fait longtemps que je suis un petit peu son développement. Et c'est vrai que sa mécanique et voilà, ce qui peut montrer, ce qui peut nous faire vivre est assez sympa. Alors je vous propose d'y aller directement. Alors, pour les joueurs qui veulent se lancer dans l'aventure complète Windboot, seuls les objets des emplacements conservés de l'inventaire restent après chaque mort. Retour au chapitre 1 après chaque mort. Difficulté de combat standard. Alors ça, c'est pour le mode survie. Et là, on a le mode histoire. Pour les joueurs qui souhaitent se concentrer sur l'histoire de Windboot, l'inventaire complet est conservé après chaque mort. La progression des chapitres est conservée après chaque mort et la difficulté de combat est réduite. Donc ça, c'est l'aventure complète. On a, on va avoir la survie et avec une seule mort. Seuls les objets des emplacements conservés de l'inventaire restent après chaque mort. Retour au chapitre 1 après chaque mort, difficulté de combat standard. C'est quand même chaud là, vous mourrez. Je pense qu'on va faire l'histoire normale. L'inventaire complet est conservé après chaque mort et la progression des chapitres est conservée après chaque mort. La difficulté de combat est réduite. Je sais pas. Donc, j'étais parti pour une survie hein, quand même. Retour au chapitre 1 après chaque mort. Allez, on part sur la survie. On est des ouf. On va voir la difficulté du jeu. On va éviter de crever. Thank you.
corde, ok. Donc on apprend des recettes, évidemment. Ah, par contre, j'ai vu que j'avais encore... Ah, la caméra est vraiment très bien. Ah, elle est vraiment... Elle suit bien le personnage. On va récupérer tout ce qu'on peut, hein. Écoute. Ça peut toujours servir de la corde. Donc on a notre barre de vie et notre barre de stamina. Est-ce qu'il m'en manque une? Non. Hop, on va continuer. Alors logiquement le jeu ne... bon, pendant le tutoriel ça va se passer comme ça, mais logiquement le jeu ben, va pas nous guider. Alors, est-ce qu'on peut aller sous l'eau? Les pierres sont très nombreuses, extrêmement polyvalentes, nées dans les profondeurs débridées de l'océan, lissées par la caresse du temps. Allez, il y en a une autre, on va récupérer toutes les pierres, on va en avoir besoin de toute façon. Voilà. De toute façon, c'est un jeu de farm, hein. Et survie. Mais je l'attends, ça fait tellement longtemps ce jeu. Je suis un peu rassasié des jeux de... Ah, c'est lumière. Des jeux de survie actuels en fait, c'est pour ça que j'en fais plus trop. C'est un petit peu toujours la même chose. On nous propose toujours les mêmes mécaniques sur tous les jeux de survie. Et je suis un petit peu rassasié en fait. Alors 3, voyons qu'est-ce qu'il nous dit à 3 là. Donc là on mange, ok. Ah, la jaune, c'est notre barre de faim. La jaune foncée, quoi, l'orange. Et la jaune, c'est notre stamina. Ok. Alors, je vais peut-être un petit peu trop vite. Hein. Donc, ça, c'est notre... notre tablier, on va dire, notre tablier de craft. Une corde confectionnée avec de l'herbe. Une corde enroulée peut servir aussi bien d'écoute de bateau que de corde de potence. Les cordes de potence, on va éviter quand même. Objet conservé, la pierre. Là, qu'est-ce qu'on a? Un sac simple. Confectionné avec des feuilles, des palmiers tissés, rien que... Rien de bien sophistiqué, ajoute 7 espaces supplémentaires à votre inventaire. Il me faudrait quoi alors pour faire ça? Corde en herbe 2 et feuilles de palmier. On va faire une autre. Feuilles de palmier, j'en ai là. J'en ai pas. Donc on va aller en ramasser. Changer de page. Et ça, c'est quoi? Une fronde, simple, faite d'herbes tissées. Même s'il ne s'agit pas de l'arme à distance la plus raffinée, elle reste efficace. Ça, on peut la faire. On va la faire. Donc, il nous faut des feuilles de... Ah, j'ai déverrouillé et un craft de plus. Une fronde plus solide, là il faut du cuir, donc il faut un animal. Maintenez
Bouton clic droit de la souris pour préparer votre arme, on va dire, à distance. Maintenez clic gauche de la souris pour charger et relâcher. Et relâcher avec clic droit. Ok. Sauvegarder la partie. Ah, on retourne au chapitre 1 à chaque fois qu'on meurt, mais on peut sauvegarder la partie. Il nous faut un petit animal. Il y en avait un qui courait par là. Ça, on va récupérer. Donc, on peut jouer aussi à la manette, mais je sais pas si. Je joue à clavier souris. Non, parce que je vais pas de précis pour la fronde et les armes en fait. Et ça va me déranger. Merde. Alors, on doit pouvoir tout récupérer, je pense. Hein. Ouais. Une bonne collation à manger pour récupérer une petite quantité de santé et une quantité modeste de fer. Ok. Je sais pas si on peut s'attaquer au facochère là avec la fronde. Je sais pas, hein, les amis. Qu'est-ce qu'on fait, on teste et je fuis au cas où. Déjà n'est pas bon. Ah mais il a fui. Je pensais qu'il allait il allait pas fuir, il fuit. Oh, mais il y a tellement... Nouvelle recette, pelle en os. Il y a tellement de choses à faire. Oh là là. Hein? Alors, c'est vraiment très, très coloré. C'est super joli. On va prendre le champignon, là, qui va nous redonner de la vie. Et de la nourriture. Hop. Ok, on est full. Voilà, on est full. Alors. Wow. Une mystérieuse rame richement décorée, bien qu'ancienne, elle est parfaite état. Elle est en parfait état. Elle vibre parfois dans vos mains comme si quelque chose l'habitait. Si à la fois suffisait, nous n'aurions pas besoin de rame. Lol.
Rame des ancêtres. Appuyez sur I pour l'inventaire et le menu de construction. Puis utilisez E pour sélectionner la page des parties du bateau. Ah, waouh! Sélectionnez un canoë ou un pont, puis construisez-le avec l'eau, dans l'eau. Avec clic droit, clic gauche. Des parties additionnelles peuvent être ajoutées à votre bateau après sa construction. Donc on peut upgrade le bateau. Ok. Bah écoutez, hein. Hein, on va pas tarder, hein. On va faire ça direct. Allez, on va se faire ce radeau là. Pour aller à l'autre là-bas. Herbe, alors rame des ancêtres, G, corbe en herbe, G. On va faire de la corde. Ok. On revient sur notre canot. Hop, on va le mettre là quand même. Attends, là. Là, nice. Je pense que il va falloir les trouver au fil de l'aventure. Démonter les parties de votre bateau. Vous devez être à proximité d'un bateau. Ok. Réparer les parties de votre bateau. Un bateau en herbe basique. Vous ne pourrez pas conquérir avec un canot, mais vous pourrez tout de même le vénérer. Démonter. Vous devez être à proximité d'un bateau. Vous devez être à proximité d'un bateau. Réparer les parties de votre bateau. L'upgrade. Bon, on va voir comment ça marche. Ce qu'on veut, c'est prendre l'autre point là-bas. Allez, ici, là. Afin de réduire votre endurance maximum au fil du temps. Ouais, ok, bon, il faut que je mange. Appuyez sur 3 pour rapidement manger. On a notre collier qui se remplit, qui se charge en fait. Le tourbillon s'élargit. La chasseuse piège sa proie. Ok, donc il faut faire les 3. Bon. Un pouvoir mystérieux se dégage de cette magnifique coquille. Une relique obscure d'une époque révolue. Pour en savoir plus sur la porte, il suffit d'examiner la clé.
Où j'ai une clé moi? J'ai pas de clé. Hein. Pas les touches. Ah, il m'a sauvegardé la partie. Voyons. Attends. Si je vais dans les options, il me sauvegarde la partie. Ça fait mal. On va aller voir cette île là. Il faut vraiment que je fasse... Ah bête, là on va avoir du bois. Hop, il me faut la hache. Bon, il faut vraiment que je tue un animal. Les os. Alors, par contre une lance. J'ai qu'il y a des lances. Morceau de bois. Est-ce que je peux trouver du bois par là? Là, ça peut-être que je peux le couper. Super. Man herbe, ouais, ouais. On commence bien à déverrouiller pas mal de trucs. Hein. Allez, on va aller voir ça, ce que c'est. Déjà là, il y a de la nourriture.
Votre endurance vient d'augmenter. Ok, c'est des buffs. Ah ouais, génial. Super. Entendu. Il va charger, il charge. Ah, on peut la verrouiller, mais bon, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, est-ce qu'on peut la... Ouais, nice. Ça, il me faut. Ah, je suis plein, je suis plein. Mince. Mon inventaire est plein. Donc là, tuk-tuk. Là, il me fallait feuille de palmier. Alors, je vais faire les cordes déjà pour libérer de la place. Faire plein de cordes. J'ai 10 cordes. Alors, comment on peut sortir de des choses de l'inventaire? Voilà, abandonné. Et je vais prendre. Il me faut. Alors, je vais prendre. Attends, les os. Je crois qu'il me fallait les os. Alors, est-ce que ça despawn ça? Parce que là, oh, t'as, j'ai des feuilles de palmier là. Non? Ouais, génial. Ok. Comme il m'en faut. Il m'en faut 5. Alors j'espère que ça va pas despawn ça. Alors on va chercher des feuilles de palmier pour agrandir l'inventaire. Ce serait cool d'en trouver par là. Là, il y a de la nourriture. Ah, il y a encore deux, parce que là, je crois que j'en ai que quatre. Je n'ai pas plus de deux. Merde. Non, je sais pas si je vais pouvoir tout trouver sur, sur l'île. Bon, par contre, lui, on va éviter d'aller l'embêter. Quatre, encore une.
5, allez, hop, on fait notre sac. On gagne 7 emplacements. Faudrait qu'on en fasse un autre plus tard pour gagner encore 7 emplacements. Voilà, là c'est déjà pas mal, hein. Ok, alors je vais aller chercher le cuir, les os, tout ça. J'essaie de me choper l'autre en face là. Ça n'a pas de spawn. Oh, ça c'est bon déjà. Que les articles ne despawnent pas, quoi. Ça je prends. Ça je prends. Et. Merde! Ça c'est pas cool. Juste récupérer. Est-ce que j'ai le cuir? Ouais, j'ai pris le cuir et les os. Et il y avait un steak aussi qui se baladait. Est-ce que si je me dépasse tout doucement comme ça, il me voit pas peut-être. Même si je suis dans son champ de vision. Voyons, hop. Ouais, ça passe. Il me voit pas. Bon, c'est cool parce qu'on commence à avoir un petit peu de place dans l'inventaire et ça c'est bien. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai un effet. Qu'est-ce qui se passe? Alors sur le bateau, qu'est-ce qu'on a? L'ancre, la voile, morceau de bois et herbe épaisse. On va faire une voile. Il manque de l'herbe épaisse. Et j'ai vu qu'on pouvait faire l'encre aussi. Elle est ici. Il faut quoi? Eh ben, il faut rien. Bon, le bateau est trop petit pour faire l'encre. Ok. On peut pas la faire. On la fera pas. Truite dérivage. Waouh, 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 waouh. Attends, attends, on peut pêcher. On peut pêcher. C'est que j'ai vu la truite. Alors je pense qu'il faut que j'en tue juste une. Il y en a une là. Pour que ça me donne peut-être la canne à pêche.
Alors, il est où ce poisson? Hop, là, il y en a. Alors, il nous faut des os, j'ai pas assez d'os. Là, il nous faut quoi? Un cuir, de la peau. On peut travailler sur un matériau très utile. Donc il va falloir travailler la peau. Ah, je crois que ça on peut le mettre sur le bateau, ça. Chasse. Ouais, ça c'est un du stockage. Façon de stocker trois objets sur le bateau. Ça c'est pareil, on peut construire ça sur le bateau. Un petit feu fait mal, il n'y aura pas toute la nuit, mais il vous permettra au moins de faire cuire votre repas. Et en survie, on peut le faire aussi sur terre. Alors concrètement, il me faut la viande là-bas déjà. Bon, l'herbe épaisse, c'est quand même la base. Alors, je sais pas si on va faire une sauvegarde et je vais aller me le tester lui par contre en face. Ça me fait plaisir d'aller le chatouiller lui. Ah ouais. Ah ouais. Il a beaucoup de barres de vie. Hein. Ah ouais. En fait, tu peux pas prendre la fronde. Oh merde. Ok, bah écoute. On peut le chatouiller celui-là.
Ah, attention à l'endurance, hein. Parce qu'on a d'autres barres d'endurance qui fout le camp. Ah, il fait vraiment très mal, très, très mal. Ah, ça me le joue en pause, d'accord, ok. Peut-être pas dû manger un cru, mais bon. Ah ouais, mais il fait mal. Allez, son fessier là. Bon là on est mort. Merde, pourquoi il me sauvegarde la partie là? Je crois que j'ai fait une bêtise. Ok. Sauvegarde. Ouais, c'est celle-là. On avait 40. Non, même pas. Nous deux sont en même temps, on est toujours au même chapitre. Alors, je vais voir exactement. On repart vraiment à zéro. Il est perdu. On a perdu tout l'inventaire. On garde tous les crafts évidemment, par contre on perd tout. Alors vraiment vraiment faire attention. Alors c'est pas grave, on est sur de la survie, hein. Par contre tout ce qu'on a déverrouillé, j'ai l'impression que ben, ça reste déverrouillé. Par contre, la barre de fer, ben, elle prend cher. Bon, après, j'en ai. Ouais, ça on la déverrouille, donc ça reste déverrouillé. Par contre, on spawn aléatoirement sur une autre île. Et nous, logiquement, alors je vais voir si par contre le bateau il despawn. Ah
Donc nous on n'était pas là. On mange de suite. Bon, après, c'est pas bien méchant, quoi. Je veux dire, on refait les ressources. La rame, je l'ai gardée. Alors on va faire une sauvegarde au cas où je plante. Alors j'ai désactivé un paramètre. Je vais peut-être voir si ça vient de ça. Que je plante plus. Merde. Allez, on se recharge. Non, je voudrais bien déverrouiller les deux autres qui restent. Il y a cette magnifique coquille relique optionnelle. Ok. Allez, on redescend. Sans s'en tomber. Ça serait cool. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et voilà. C'est quoi ça là-bas? Il y a tellement à explorer, les amis. Mais tellement. Ah oui, c'est les palmiers que je voulais. Alors là-bas, il n'y en avait pas. Que je refasse mon... Peut-être que je vais pouvoir faire la voile, non? Morceau de bois.
Ah, là, derrière, il y a du palmier, là. Ah, je vais me mettre ici. Ah, il y en a deux. Bon, par contre... Oh. On va pas aller trop les titiller, ceux-là, par contre. Ah, j'ai toujours ce problème là de place. Bon, ça on va l'abandonner, je le reprendrai après. Hop, juste pour récupérer les feuilles de palmier. Non mais il y a plein de choses à visiter quoi. Allez, encore deux. Alors avant de le briser, je voudrais mes feuilles de palmier, là. Hein, toujours mes feuilles de palmier. Là, il y en a une là. Allez, plus qu'une. Il m'en manque juste une. On fait une petite sauvegarde. Hop. Ça, je verrai ça après. Allez. Alors visiblement j'ai plus l'air de planter, alors j'ai désactivé, ça va peut-être pouvoir vous servir. J'ai désactivé l'anticrelage. En fait, vous remettrez les paramètres par défaut. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont désactivées. Et le fait de remettre les paramètres par défaut, ça m'a rétabli mon petit souci. Par contre, j'ai plus d'endurance. Et j'aimerais bien pouvoir trouver... Mm-hmm.
Ok, alors il nous en manque plus qu'un, je pense, pour finir le chapitre. Est-ce que je vois... Hop. Je ne vois pas de palmier d'ici. Et ça me dérange. Ça me dérange assez. En bas. Allez, on va récupérer notre herbe qui est là-bas. Bon alors par contre les objets qui despawnent pas, ça c'est vraiment très bien. Alors, pour ouvrir les vasques. Des fragments de cristallien mystérieux trouvés aux quatre coins de l'archipel qui s'animent à proximité des totems. Ok. Des flèches dotées d'une pointe en métal. Ah, c'est mieux, robustes, sont capables de percer les coquilles et les carapaces les plus dures. Nouvelle recette, pointe en métal. Ah, ça va faire mal. Ok. Ok. Bon, par contre, il faudrait que je mange. Vas-y, viens avec moi, toi. Alors il nous faut deux morceaux de bois. Bon, du bois il y en avait là-bas. Il faut que je fasse l'âche. Vraiment. J'ai eu du bois ici. Mais par contre, plus vous courez, plus vous dépensez de la nourriture. Quoi. Non.
Je vois pas les pointes en fer. Et on va essayer de faire le feu. Quoi, on va faire le feu. Alors ça. Par contre, j'ai pas compris. Ah, ok. Non, lui, je vais éviter. Faut sélectionner les pierres. Est-ce que j'ai moyen de décalquer ça là? Alors là, on a le max de puissance là. On va voir si ça fait des dégâts quand même ou pas. Faut sélectionner et après, faut aller chercher les pierres en fait. Voilà. Si j'ai bien compris. Et là, ça va fonctionner. Attends. Non, là il fonctionne pas. Ah, il faut pas viser en fait. Je le touche quand même. Bon, et prendre. T'es sérieux?
Bah, c'est un peu chiant quand même. Bon, il faudrait que je mange quand même, hein. Allez, hop, on va mettre notre feu ici. On va faire cuire notre viande. Merde, je l'ai mangé. J'ai du sac, on va conserver. Flèche dotée d'une pointe en métal. Bon. C'était là. Permet de cuisiner une peau faite à partir de pierres étirées. Faites bon usage de cette peau. Ah ok, on fait le... D'accord. De cuir, on le fait à partir de ça. D'accord, ok. Donc là... Là, elle se construit, ok. Donc là, elle est en train de se faire. Bon, il faut vraiment qu'on mange, quoi. Douce et légère, ces pubs sont parfaites pour fendre l'air. Celui qui souhaite maîtriser l'art de l'archerie doit d'abord capturer la grâce du ciel. Deux d'un coup. What? On donne que des os par contre. Aïe! Ah ouais, j'ai tué ces petits. What? Thank you.
Ah ouais, c'est pas mal, hein. On récupère le cuir hein, qu'on a fabriqué. Là, de la nourriture qui se fait. On peut en faire un deuxième. Là, sans pointe d'os, on l'avait fait. Bon, ce qui me fait plaisir, c'est que on va faire une save, hein, au cas où, c'est que je plante plus. Ah, je voudrais qu'on se fasse ce, qu'on se finisse ce chapitre 1. Je peux en faire un autre. Par contre, selon la nourriture à faire. C'est quoi ça? Ça s'appelle quoi comme mob? Je vais pas me faire trop repérer. Je suis trop loin. Là. Un corner. Ah, il manque de la vie, hein. C'est ça, hein, les un corner. Hein. Donc en fait, je suis revenu à l'île que j'étais avant. L'ensemble de ces armes sont des armes fragiles, mais elles sont capables de percer des peaux épaisses. Je vais faire celle-là. Par contre, je voudrais manger avant. Ok. Ok. Ah, ça remonte vraiment bien la viande. Ça m'a mis bien direct. Hein. Quand même, il n'y a pas à dire. Hein. Alors, je vais faire cette fameuse lance en os. Je crois que vous savez plutôt ce qu'on va faire, on va finir le chapitre. Et je ferai ça hors connexion. On va caler un petit challenge. Je vais voir surtout ce qu'il donne. Ok, allez, hop. Et on va partir sur la lance annonce. Ah oui. Ah oui, déjà ça cause.
Ça cause. Un Alt F4 hein. Go, pour perdre la partie. Bah, il fait mal, mais il fait. Mais il y en a deux. Lui il est mort. Et l'autre il me charge. C'est bon. Il a arrêté de m'aggro. Ils font vraiment, vraiment, vraiment très, très, très mal. Cette corne robuste peut infliger de sérieux dégâts en temps de paix, on s'en sert de chope. Pendant la guerre, elles sont clouées sur nos remparts. Ok. Un gros morceau de viande cul qui peut être dégusté cru pour chasser la faim, mais ses effets relativement sont temporaires. D'accord. À deux, il en donne quand même. C'est pas rien. Alors moi, j'ai ma corne. Ok. Donc là, je vais pouvoir faire un marteau pour casser des choses et un outil pour déterrer les objets du sol. Ça, je peux pas. Mâchoire. Ah oui, il faut encore un autre animal. Ben, je pense qu'on va faire celle-là. J'ai beaucoup de bazar en fait. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire? Je vais faire déjà sur le bateau. Oh, lui il est éteint. Bon, ça je vais le faire cuire déjà. Faire cuire les deux. Et sur le bateau, on va aller faire le petit truc de stockage. Parce que j'ai vu que je pouvais le faire. La voile, il me faut du bois, de l'herbe, ça j'ai. Et il me faut de l'herbe, ça devrait passer. Alors il me faut la voile. Ok, et il me faut le petit truc de stockage. A savoir que je pense qu'on doit pouvoir en mettre plusieurs. Voilà, j'ai plus de ce qu'il faut, de l'herbe, mais il faut essayer. Donc là on a 3 pour les objets. Ça, c'est bien. Mais on peut mettre les plumes déjà. Alors comment on fait? Ok. Et ça. Voilà. Alors, je pense qu'on peut en faire autant qu'on veut. Je vais aller récupérer mes viandes. Et on va essayer de finir ce chapitre. Ah ça, c'est bien parce qu'on le one-shot.
Direct. Bon, il reste encore un petit peu. On m'a récupéré de l'herbe, j'ai vu que ça avait respawn tout. Je suis assez curieux de voir. Ce cadre dans ces trous en fait. Des plumes. Ok, de lièvre. Alors ça c'est pour faire les flèches de l'arc. Mais j'ai pas l'arc. Arme, j'ai pas l'arc. Allez, on va finir ce chapitre. Hop, on est reparti au bateau. Mais j'ai perdu toute cette nourriture déjà. T'es sérieux? Attends. Alors, je pense que ça. Voilà. Ah! Je fais n'importe quoi. Alors ça, on l'a activé. Celui-là aussi, il nous a manqué à activer. Et ça speed. Bien essayer d'avoir l'autre. Il n'y a plus de vent.
Alors là, il y a un bonus. Je vais finir le chapitre, les amis, et de toute façon, je suis pas parti encore de cette île. Si il y a plusieurs îles. Hop, hop, arrête-toi. Pourquoi tu t'arrêtes pas? S'arrêter. Ouais. Parce que ça, c'est des bonus. Et j'ai quoi là? Oh, j'ai augmenté l'endurance. Bon, j'y passe devant. Ah, d'accord, ok, on peut orienter la voile. D'accord, d'accord, d'accord. Ça a disparu. What? Bon, ok.
Allez, on est reparti là-bas. Beaucoup de choses magiques dans ce jeu. Ah merde, je crois que je l'ai abîmé là. Bon, ben, les amis, on va s'arrêter là. Alors, je dirais juste que voilà, c'est une merveilleuse petite aventure avec un petit peu de côté survie. Voilà, ça change un petit peu de tout ce qu'on peut voir. Et moi, c'est ce qui me plaît. On va se laisser donc sur ça. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite. Et sachez une chose, c'est que vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao, ciao.